et funérailles, canal du vent. Ah oui. Canal du vent. M'pas dire parce que m'étais attaché avec le cousin. Monsieur Zibaïza. Monsieur Zibaïza. Donc en fait, c'est seulement peut-être quelques individus dans les dunes qui ont des problèmes avec le canal du vent, mais en fait, la majorité de la population était avec le canal du vent. Et était avec le canal du vent. C'est monsieur qui baille toute la sécurité. C'est monsieur qui. Oui. Qui était bois de sécurité dans la zone. Très bien. Alors, le cogon l'église Saint-Pierre, ou ne doit pas rendre compte si c'est Saint-Pierre. Bon, ou ne doit pas rendre compte si c'est. L'église a passé devant tout le temps. Alors, ce. Tu vas sur Jean-Bel là? Non. Non, ça y est, Saint-Joseph. Ou alors, qui était Gaumone, avant. Le. Ou prend. Comment? Pont ça a relé. Premier gros pont ou prend l'eau qui était Gaumone. Qui était gommé. Rivière Blanche. Rivière Blanche, c'est bien. Rivière Blanche. Oui, très bien. L'offre monte, gon l'église sous main droite. Donc, c'est Saint-Pierre. Bleu blanc, Saint-Pierre. Lié. Saint-Pierre. Donc, en fait, c'est là qu'il y a ancien directeur général de police là. Ok. Et Godson Aurélus. Oui. Godson avant pour marcher. Avant pour marcher. Eh bien, c'est là. C'est donc, son section de Gaumone. Oui, son section. Son section de Gaumone. Très bien. Donc, en tout cas, bonne fête Saint-Pierre à tout le monde qui a fêté Saint-Pierre. Donc, et je dis, le canal du Vent, il y a un gros funérail, un gros enterrement, un pile monde. Et je regarde une vidéo au canal du Vent, côté je dis, lui-même, il a mouru assassiné. Il dit que c'est assassiné, pas assassiné. Et que Joula a mouru. Oui, monsieur, il y a une vidéo ce soir. Je dis que l'a mouru, il a son héros, donc c'est assassiné, il n'y a pas assassiné. L'a mouru pas balle, et que Joula mouru. Monsieur, tu même font chanter, que tout le monde a chanté pendant des mois, et qui toujours était là, vraiment. Donc le canal du Vent, monsieur, met un pile monde dehors. Donc, mais quand même, quand on enquête ça, mes amis, c'est pas de. Okay. Mais c'est pas de enquête pour nous faire un pays. Okay. Est-ce qu'on connaît, ou songez cadre de BRH qui était mort, est-ce que c'est pas Belleville, ensemble avec madame ni, très bien. Qui sort d'un examen? Rien. Quand on enquête ça, on est là, monsieur. C'est pas de. Mes amis, c'est pas de enquête pour nous faire un pays. Parce que sous prenez une quantité de crimes qui fait dans le pays. Sous prenez une quantité de crimes qui fait dans le pays. Elle dit que. Dossier enquête là, son bar qui. M'a connu non? L'icaplon Kayoui. Dossier enquête pays d'Haïti. L'icaplon Cham Kayoui. Si Jean-Dominique mourit depuis date ça. Pas Jean-Dominique. Brignol Lindo, comme si des crimes qui fait. Comme si aussi. Que tout le monde voit, tout le monde au vide de tout le monde. Ok, puis. Et puis, ouais, ça va jamais. M'a bien doux. Elle dit dossier enquête dans le pays d'Haïti, son bar qui a plein en Cham Kayoui. Et ça fait l'aime tellement d'enquête. Et ça, il aime de, comme si quelqu'un mourait, ou de passer l'ordre à tel ministre, ou bien à tel directeur, ou bien à telle institution pour diligenter. Oui, mais des fois, institution avec le ministre. Les mots sont beaux. Oui. Ok. Non, écoutez, madame, monsieur, c'est un problème grave. Un problème qui est très sérieux, madame, monsieur, dans le pays. C'est-à-dire que la police, sans qu'on gêne seulement, il y a des bagages pour le faire, il y a des bagages pour le faire. Donc, des CPJ là pour faire des bagages, et l'autre bagage qu'il n'y a pas faire. Parce que, quand enquête, madame, monsieur. Ok, est-ce que l'organisation doit assumer qu'on va y aller et qu'on va y aller pas. Elle dit que c'est là qu'on va qui tombe. Maintenant, pour l'enquête, enquête. Alors, bon côté de CPJ. Est-ce que DCPJ n'a pas fait enquête? Parce que vous-même, vous n'avez pas fait reste bagage là. Eh bien. Gon enquête que DCPJ a mené. Mais pas oublier tout. Si vous avez un juge d'instruction, il y a enquête pour vous le mener tout. Et puis, pour jugement fait. Au moins, mais là, à partir de là, au moins on ne connaît pas des CPJ à sortir. Oui, jusqu'ici, qui ça fait? Longtemps, on te connaît sorti. On ne peut de ni yon ni longtemps, on te connaît sorti. Et puis, on ne connaît qui côté ou bloqué. Très bien. Ça va, il y a eu ton monde. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça a dit de monde, c'est ça livré? Parce que des monde qui ont arrêté, et vous tentez que vous mettez tel dossier sous lui, c'est force ou force, il dit, qu'il est impliqué dans tel dossier. Donc, on y a eu la justice. Les rois et ton monde, vous tenez que y a été un tel, c'est lui-même qui t'a fait crime tel bagage. Non. Et des fois, écoutez, est-ce qu'il vérité que ça, qui est dans ça tout? Avez pas une preuve. Très bien. Ce n'est que le commencement. Le commencement, très bien. Une preuve. C'est pas une preuve, ça. Très bien. Que mon nom dit, oui, il a fait tel bagage, mais tout le monde connaît dans le système judiciaire, hein, et à travers le monde, l'homme fait aveu. Si tout le monde a parlé sans avocat, si tout le monde a parlé sous pression, très bien. Il y a un pile de bagages qu'on est capable d'utiliser pour faire un monde dire un bagage. Bon, dire un bagage, oui. Maintenant, et peut-être ça, l'organe système judiciaire qui est fort,
moun nan kon fin fait. Asap soupo moun wap bat li nan prison ben nan nan garde à vue. Ou dit tout autre parti que c'est intel qui te fois a fait tel bagage, m'a j'aime sous son bateau. On parlait quand même. Ah ben gonko rivière comme la bouquet. La bouquet bon bateau. Et tout oui oui m'a dit c'est intel là et c'est tel bagage. Oui. C'est peut-être ça faut que nous gagnions un bon système judiciaire qui capable et faire des mêlées. Oui. Dans jugement pour juge là capable avocat capable défendre ni et puis fait prendre différents éléments yo coller morceaux yo pour ouais dans question qu'a poser chercher incohérence qui gagne entre date lettre tout tient 10 important dans genre de base pour établir la vérité. OK. Ah. Et policier dans sous-commissariat Terre Rouge et Terre Rouge après l'amour Terre Rouge c'est mon cabrit l'a fin guider là commissariat ça commissaire et co-policier griot bagage ça là puis voilà policier qui dans sous-commissariat Terre Rouge monsieur Léon Charles après l'amour pour état commissariat Gabriel Amoué moi j'ai l'impression que les policiers n'ont pas qu'à qu'un banco surtout ça qui n'est pas venu ils n'ont pas qu'à qu'un banco donc nous même nous avons une visite très bientôt donc c'est sûr que après visite on a tourné ici pour nous dire exactement qui ça nous est donc dans le commissariat Terre Rouge madame monsieur ok moun nan sodo eh bien décidé je dis à la même matinée à toutes puis yo et bloqué fait là parce que mairie en fait yo qui doit faire même mairie là oui mairie a gen tijouma, li gen tijouma ou pa paye? Pa gen mairie. Mairie a gen tijouma ou pa paye? Pa gen mairie aucun côté. Donc yo ben c'est là pour bloquer le bagage. Qui la donne? Oui même dame. Ma konti yo, ma c'était même moun non. En tout cas, pa gen mairie. Chargé problème dans pays madame monsieur. En tout cas, on a allé avec Titoel là et José Lexidor et puis ensuite on a fait contact avec monsieur Robinson d'Haïti donc pour les commentaires donc et en rapport avec l'éditorial de ce et mardi 29 juin 2021. Regrettablement, ce gouvernement va partir. Ce gouvernement, si loyal et fidèle au président de la République, Jovenel Moïse, est sur le point de partir. Le chef de l'État aura du mal à endurer les symptômes du sevrage. L'homme banane sait qu'on ne change pas une équipe qui ne gagne que par elle-même, que pour elle-même. Sans nul doute, on regrettera un tel gouvernement qui a prêté serment d'allégeance au président Jovenel Moïse. Manifestement, des éléments de ce gouvernement doivent être maintenus en poste pour ne pas déranger le président de la République dans sa course vers la concrétisation de ses nombreuses promesses. Par exemple, M. Claude Joseph devrait rester dans l'équipe. Ce, dans l'intérêt personnel du président Jovenel Moïse. Il devrait garder son poste de ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il est l'un de ceux qui défendent le mieux M. Moïse à l'étranger. Il s'est désespérément vendu au chef de l'État. Quant au ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Patrick Sévère, le président Moïse n'est pas intéressé à le garder en poste. Toutefois, on doit noter les accomplissements heureux de ce ministre qui a donné son aval à un accord qui sera bientôt signé entre Haïti et le gouvernement de la diaspora africaine. En ce qui concerne le ministre Mathias Pierre, difficile de connaître le sort qui lui est réservé. Ce n'est pas un secret. L'homme a toujours fait le serment de ne pas laisser son origine le condamner. Vu que son origine constitutionnelle reportée et à deux reprises, il a intérêt à garantir au président de la République qu'il mettra des bouchées doubles sans faire attention au risque d'étranglement pour ne pas rater une nouvelle fois cette consultation populaire. Voilà, entre autres, les enjeux de ce gouvernement qui accepte de se laisser périr aux grandes parties en vue d'une sortie de crise. Robinson d'Haïti. Voilà, et c'est l'éditorial de ce mardi 29 juin 2021 qui titré « Regrettablement, ce gouvernement va partir ». Et nous allons faire contact avec Robinson d'Haïti
avec qui nous pral commenter et bien éditorial là et pour jeudi mardi hein. Robinson d'Haïti, comment nous y est? Bonjour Mathieu Débat, bonjour maître Lexidor, bonjour monsieur le président, bonjour au député Pierre Mazet à toutes, bonjour à monsieur Isaïe César, bonjour à toute équipe technique là, à Solando, Henri, et bonjour à toute auditrice, auditeur, capitaine de nous. C'est un plaisir pour nous ensemble, jeudi, pour nous commenter l'éditorial ça qui titrait regrettablement ce gouvernement va partir. Mm-hmm. Et regrettablement. Et pourquoi, tant de regrets? Bon, il y a beaucoup de regrets parce que c'est un gouvernement loyal et fidèle au président de la République. Et je ne dis à Noël, il n'y a pas le parti, il est obligé de la guerre. Et grand pile pour lui qui a prouvé tout ça, pas le gouvernement quitter ça. Mais il y a une option aussi, et, M. d'Haïti. Mm-hmm. Et parmi les noms qui sont dans que cela, il y a également le nom de Claude Joseph. Parce oui, bien sûr. Bien sûr, en tant que Premier ministre. L'équipe de Claude Joseph, en fait, oui. En tant que Premier ministre, certainement. J'en ai parlé dans l'édito. Ok, n'oublie pas. Claude Joseph est un premier ministre haï par intérim. Maintenant, certainement. Tout comme il y a d'autres noms qui sous table là, et pourquoi pas donc celui de Claude Joseph. Ah, mais bien sûr, mais il va partir aussi. Il va partir sans partir. Parce que je me dis à Sam Tabgat et l'éditorial, c'est que le chef l'État et le président Jovenel Moïse, évidemment, l'a bien en pile mal pour endurer symptômes. Ce vrasage, je veux dire, parce qu'il est habitué et avec ministre Bio, il était entendu très bien avec le ministre Bio. Et d'ailleurs, M. Jovenel Moïse connaît, on ne change pas une équipe qui gagne. Et l'équipe de Jovenel Moïse ne gagne que pour elle-même. Si l'équipe ça a gagné, je veux dire, il n'y a pas gagné à peuple, il n'y a pas gagné pour population, il gagne seulement par lui-même et pour lui-même. Et c'est exactement ça qui arrive aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Donc, un gouvernement qui a passé là, un gouvernement qui pralé, donc il y a des crises de monde. Et très sincèrement, M. Le Codésir, que nous avons regrette en pile parce que c'est prêté serment d'allégeance au président Jovenel Moïse. Mais il faut que nous admettions qu'il y a des éléments qui t'a supposé qu'il y ait un poste, je veux dire, pour ne pas déranger le président de la République là, dans le conflit et vers la concrétisation de ces nombreuses promesses. Le président de la République a fait en pile promesses, et on dirige avec 16 amis, et il y a des séries de amis là, et qui parlent pour aider le président de la République là, et concrétiser promesses là, et battre fort nous qu'un bel. Par exemple, et M. Claude Joseph, qui est le PMAI, évidemment, il peut aller, en tant que PMAI, il peut aller. Mais, et nous pensons qu'il y a intérêt personnel, président Jovenel Moïse, c'est pas intérêt peuple, c'est pas intérêt population, c'est pas intérêt pays, mais dans intérêt personnel, président Jovenel Moïse, ben c'est à supposer qu'Ebel n'importe ministre affaires étrangères là. Mm-hmm. D'ailleurs, nous sommes capables de comprendre, et M. Le Codésir, que M. Claude Joseph, c'est un monde qui défend le mieux et président Jovenel Moïse à l'étranger. Même s'il défend les défendables, mais c'est lui-même qui fait le mieux pour le défendre et président Jovenel Moïse à l'étranger. Donc, son monde, j'ai dit dans le texte là, il s'est désespérément vendu au chef de l'État. Son monde qui vend toute tête libre à président de la République là. Donc, vous pensez que M. Jovenel Moïse a intérêt pour Kembel, même si ce n'est pas Kembel comme Premier ministre, Haï, mais au moins tu as supposé Kembel comme ministre des Affaires étrangères. Mm-hmm. Mais on l'autre personnalité, on l'autre élément qui est extrêmement important, c'est le ministre de l'Agriculture, M. Patrick Sévère. Vous pensez que le président Moïse n'est pas tellement intéressé, et moi-même, j'ai gagné des témoignages. Et sous point ça, on parle avec un pile monde dans l'entourage président de la République, Jovenel Moïse, qui dit que M. Jovenel Moïse n'a pas intéressé Kembe et M. Patrick Sévère n'importe plus. Mais il faut me noter, et ça me dit regrettablement, ce gouvernement va partir, c'est avec un pile regret, moi-même m'a regardé, et le gouvernement ça qui pourrait aller là, je me suis dit, on M. d'un coup Patrick Sévère. Et pendant le dernier moment qu'il a passé dans cette ministère, je regrette infiniment que l'obligé à aller alors que j'ai gagné des accomplissements heureux pendant ces derniers jours. Oh. Par exemple, moi je connais de son sûr, évidemment, que l'Ibaï a valu et l'Ibaï a Okeri à un accord qui va signer très bientôt. Hein, il faut continuer, non, il va signer très bientôt
entre Haïti et le gouvernement de la diaspora africaine. Et bagay sa apporté en pile pour Haïti. Et m'a bien pour me parler de Akosa qui va signer entre Haïti et le gouvernement de la diaspora africaine. Alors, Robinson d'Haïti, Géoul qui a tombé là, oui, pour sa seulement de rété. Les n'a pas niveau de grand goût et ta agriculture paysan là, comme si pour ça seulement vous le rété. Non, 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 obligé rété, non, pas obligé rété. Non, mais M. Jotem, il n'est pas intéressé avec M. Patrick Tevertou. Non, ah, non, okay. Non, moi, je dis ça. Je parle avec un peu le monde dans l'entourage président. Il n'est pas intéressé à ça pour M. Patrick Tevert et rété. Okay. Mais moi, je dis que dans les derniers moments, et vous pensez que le ministre là fait des accomplissements heureux. Moi, c'est pour nous signaler ça, parce qu'on ne parle totalement et à 100% pas bon. Il y a quelques bails qui sont bons dans le monde, et puis il y a un gros bois de 10% et puis 90% pas bon. Mais 10% ça, on nous signale, parce que c'est maté débat. Hein, c'est maté débat, j'aime toujours dire, c'est une émission de service public. Hein, moi, alors, Robinson d'Haïti, un responsable de pays, alors, l'organisation paysan là qui est criminel, même semence, non paysan ou pas jeune là, année. Non, mais grand pire grogne par rapport et par rapport à Jean, M. Patrick Sévère, fonctionner dans le ministère là. Non, moi, je parlais de ça. D'ailleurs, on l'aime des grands éditoriales, pour demander côté ministre Patrick Sévère. Non, son ministre qui est facile, son ministre qui n'est pas là du tout, pendant tout le temps passé dans le ministère, elle va là. Mais c'est son bagage qui est bon, moi-même, moi, tenir à signaler ça. Yeah. Et je pense que c'est très bien le fait que Libye O'Kelly et à Konsa qui va signer très bientôt entre Haïti et le gouvernement de la diaspora. Mais bon, l'autre élément qui est important, Maître Exidor, Monsieur Pierre, et Monsieur Mathias Pierre. Ah oui, le ministre Mathias Pierre. Ça, moi-même, pas vraiment capable de gérer ça pour me connaître et qui sort, qui est réservé et pour ministre Mathias Pierre. Parce que son monde, que pays a à prendre qu'on est à travers un bagage qui est l'origine n'est pas condamné. Les gens qui dit origine n'est pas condamné, il ne faut pas faire tout bagage pour ne pas condamner. Tout bagage net. Pas besoin qu'on ait même des coups bêtes, même si je me dis ramper, etc. Il faut faire tout bagage. Parce que l'essentiel, il faut qu'il réussisse. Il a toujours bien dit ça. Origine moins, pas condamné. Donc c'est lui, l'individu. Ce n'est pas le pays, hein. C'est pas le pays, c'est lui-même, même, origine n'est pas condamné. Donc, étant donné que origine, aujourd'hui, la poste liée, est intrinsèquement liée et a tenu le référendum constitutionnel là et l'organisation des élections, et nous connaissons le référendum là, il est reporté à deux reprises, je pense que M. Mathias Pierre, et s'il t'a voulu que au Québec, la poste liée, pour qu'il t'a garanti à président de la République là, qu'il va mettre des bouchées doubles. On connaît l'autre manger des bouchées doubles. Donc il y a des risques d'étranglement. Donc même si M. Mathias Pierre a tranglé, il va mettre des bouchées doubles pour ne pas rater une nouvelle fois cette consultation populaire parce que M. a tellement voulu aller. Donc voilà entre autres et quelques ministres que j'ai gardé dans le gouvernement là, qui parlent. Tombé, qui est en chute libre, je ne veux pas dire, et c'est nécessaire, parce que de toute manière, le gouvernement, ça doit périr en grande partie, parce qu'il faut sortir de la crise, mettre l'excédent. En tout cas, et là, il y a un pile de monde qui a gardé côté, ouais, non, yo là, et nouveau gouvernement qui a dû venir là, et vous estimez qu'il y a des ministres là qui a dû reconduire. Oui, certainement, il y a des ministres qui sont supposés reconduire. Par exemple, le ministre, le PM, Claude Joseph, il est supposé reconduire. Au niveau ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il est supposé reconduire. Mm-hmm. C'est pas un monsieur que je connais, bien évidemment, même pas qu'il est supposé reconduire. Parce que le président Jovenel Moïse n'est pas fait, il n'est pas stupide quand même. Il est supposé toute tentative, toute manœuvre, et M. Claude Joseph, c'est qu'on le fait pour défendre M. Jovenel Moïse. Non, mais il n'est pas bête, il n'est pas stupide. Même s'il parle conseil des essais de bagaille, il ne va pas qu'il parle négocier M. Claude Joseph. En réalité, lucide, il va se sous point sale, Kakembel, et il va être au ministère des Affaires étrangères, même s'il n'est pas premier ministre encore. Alors, ou concernant le ministre Pierre, ou dit origine, condamné, alors, il va quitter, il fait serment pour ne pas quitter et origine ni condamner lui.
Oui, mais c'est, ça dépend de lui-même. Origine n'est pas droit condamné, c'est origine, et c'est lui-même même qui ne peut pas condamner à partir de son origine. Mm-hmm. Parce que lorsque tu es d'une origine racieuse, à ce moment, il faut faire des efforts. Et ça, je dis, hein, c'était un bagage qui est tenu à la collectivité, mais son bagage qui était confiné et à l'individu qu'il est. Mm-hmm. Ok, origine moins pas condamné, mon origine moins pas condamné, etc. Donc, et l'important, et au nom des excès que le ministre Mathias Fier fait, de toute manière, on passe comme ça, on passe comme qui coup de boule, et M. Mathias Fier a fait la priorité. Donc là, c'est l'insaisissable, c'est le ministre insaisissable. On est qui dit origine, mais pas condamné, c'est l'insaisissable. Par exemple, quand ça l'a fait là pour être là. Et parce que l'Ivry est là, de toute manière, aujourd'hui, j'ai dit un texte là, son origine est intrinsèquement liée et à la tenue du référendum constitutionnel reporté à deux reprises, mais aussi à l'organisation des élections. Mm-hmm. Merci un peu, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, M. Excident. À demain, matin débat. Voilà, et c'était Robinson d'Haïti. Et n'a pas rappelé ou capable de continuer à parler, faire débat avec Robinson d'Haïti sous éditorial jeudi 1, mais tout si là-haut qui passait dans 31 55 43 25 et l'IPREL est disponible pour le capable de faire parler, débat avec discuter avant sans problème. Voilà. Bonjour, Esaü César, comment vous êtes? Bonjour, le co-désir, bonjour, Père Haïtien, bonjour, Père Matita, toutes, bonjour. À toute famille haïtienne haïtienne dans la diaspora, toutes amis qui dans niveau la police nationale cap travail et un peu partout à travers tout pays là et policiers au cap hein baillon cloche pour policiers au cap yo et monsieur nan noyo tout policier nan noyo n'a baillon cloche à monsieur Simoyo qui en dépit de tout problème qui posait cap frappé sérieusement Simo pral recevoir 7 mois et frais OK comme frais donc monsieur yo travaille en pile. Et c'est bon cadeau, c'est bon faveur à faire. Il y a 7 mois pour bayo. Donc il y a bayo, OK, penser à partir de demain, il t'a supposé recevoir chèque yo dans base 6 mois. Donc 6 mois, tout poids loi est sous compte 6 mois là dans moment on parler là parce que service circulation pas fonctionné, policier pas venir travailler, employé civil pas venir travailler et c'est 6 mois qui kembe zone time. Donc et monsieur 6 mois tu as un pile grief par rapport avec ça et frais ça ou pas de bayo et bien monsieur pral recevoir selon information qu'il y a de bonne source donc monsieur Simoyo et qui pas qui a vivre de grandes difficultés tout parce qu'il faut nous dit que en début de tout problème Simo toujours capé mine pour le travail donc c'est ça que fait nous mandé pour bailler cloche à monsieur Simoyo et unité ça et qui en dans la police nationale et mais ap travail ap démerder le ouais pas ouais pour capable et mettre sécurité en bas d'Elma.